Elles viennent de Moldavie, d'Ukraine ou d'ailleurs. Elles cherchaient du travail, un avenir. Abusées, trahies, elles se sont retrouvées prises au piège dans les griffes des marchands d'esclaves. Ça se passe chez nous. On ne peut pas continuer à l'ignorer. Comme rêvent les filles de leur âge. Elle rêvait comme on rêve quand on a 17 ans. Elle rêvait de quitter leur quartier, leur village. Et puis un jour d'aimer et d'avoir des enfants. Les filles de l'Est. Elle rêvait d'échapper à ce destin trop dur qui avait condamné leur mère derrière le mur. Elle rêvait d'évasion à mille lieues de croire à la pire des prisons, au pire des cauchemars. Les filles de l'Est. Oksana, piégée par des barbares, elle pouvait pas savoir. Esclave dans la gueule de ces chiens, elles étaient innocentes, ils les ont faites putain. Je déclare la guerre à tous les salopards, tous les marchands de chair et tous les charognards, ceux qui vendent des filles contre quelques dollars, et ceux qui les ont prises sans chercher à savoir. Je déclare coupables tous ceux qui ne font rien, politiques et notables.